Réaliser 180 spins 3 fois. C'est quoi 180? Ouais, je suis en train de boire vos larmes de rageux. Oh yeah. Hey, regardez, je suis Kaouze Kangourou. Ça crache de la thune. Oh, c'est ce que je crache quand je vois ta maman. Salut, c'est Metal Blaze et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va jouer à Urban Trial Tweaky. Urban Trial, c'est une série de 3 jeux composés de ce jeu, mais également de Urban Trial, Freestyle et Playground. Et d'ailleurs, moi, pour l'anecdote, j'avais joué à Freestyle sur ma 3DS. Une série de jeux à ne pas confondre avec la série Trials, qui est dans les mains de Ubisoft. Là, ça n'a rien à voir, c'est des jeux indés. Parce qu'on dirait pas comme ça, hein. Le jeu est sans pitié. J'ai déjà un peu joué le monde de mon côté, j'ai débloqué des trucs. C'est pas juste un jeu de vitesse. Non, c'est sans pitié. Tu dois faire du score, tu dois faire des figures. Ce niveau se joue plus sur le temps. En fait, c'est un peu mix. Et voilà, je me suis fait baiser. Et là, ce niveau, il n'y a pas juste de terrain. Tu peux taper tes meilleures figures, YOLO, et c'est tout. Le but, c'est de faire ton plus gros record. Les graphismes sont plutôt sympas. Bon, sinon, on a différents types de figures, notamment faire des roues avant, des roues arrière, et faire différentes figures dès qu'on tape une roue avant. Notamment celle-là, je vais essayer de vous faire une roue avant. Ouais, bah oui, c'est pas ça aussi des fois. Allez Billy, oui, ouais, bah je roule pas, c'est pas rigolo. Alors l'ambiance musicale de ce niveau a l'air absente, visiblement. Voilà, par contre des fois tu peux faire des trucs stylés comme ça. Alors là du coup je crois que je viens de débloquer un boost. Je vais essayer de vous le déclencher. Ah, j'ai complètement fail. Alors comment débloquer ce score amplifié? C'est simple, il y a un petit éclair. Il faut simplement que cet éclair soit chargé à fond. Ah merde, mais c'est la fin du chrono. Bah oui, bah voilà, c'est vachement intelligent. Je peux pas vous le montrer. Un peu plus tard. Voilà, et là je reste appuyé et du coup ça nous fait des points en plus. Sauf que, voilà, c'est fini. Là, on peut parler en termes de score, parce que j'ai pas fait énormément d'efforts. J'ai même pas réussi à atteindre le premier objectif. Et après, avec certaines techniques de magouille, peut-être que je peux atteindre tous les objectifs. Chut, regardez et apprenez. Regarde, 50 000 points, il reste 1 minute 30, regarde la magie. Oh bah tiens, 1 800 000. Yeah. Oh, c'est la magie. Oh, c'est trop fort en fait. Enfin, ce qui est marrant, c'est que je peux cheater, mais uniquement sur le score. Pas sur le temps. Bah si vous comprenez pas pourquoi j'ai cheaté, c'était seulement dans l'intérêt de pouvoir débloquer les niveaux, parce que j'étais bloqué dans le jeu. Bon, vous avez pu voir qu'on pouvait faire des figures dans le jeu, mais ce ne sont des figures plutôt classiques. Et qu'au fur et à mesure du jeu, de ce que j'ai compris, bah on peut en débloquer d'autres. D'accord, genre là il tape une nage, pourquoi pas. Ah ouais d'accord, carrément, le grand écart. Bah le jeu m'en bat les couilles. Ah ouais d'accord, genre la danse russe. Mais oui, j'ai débloqué ça, j'ai débloqué combustion, oh, formidable. Donc là ok, ça lâche des ballons. Là, ça lâche des billes. Ah, ça crache de la thune. Oh, c'est ce que je crache quand je vois ta maman. Une autre chose que je trouve dommage dans le jeu, il y a un classement. Tu peux voir les scores de tes amis en ligne, mais tu peux même pas jouer avec tes amis. Ça serait sympa d'avoir une compétition. Non, mais je reproche des trucs au jeu, mais bon, il y aura jamais de mise à jour. Hein. Je trouve ça dommage, je crois que le jeu n'ait pas plus de joueurs à l'heure actuelle. Du coup, t'as forcément leur concurrent direct qui est Trials, qui est bien plus joué, même joué en compétition, c'est dire. Demande de faire un Woolly, c'est bon, ça c'est facile. Un backflip, ok, est-ce que j'ai le temps? Oui, bien sûr. Ok, oui, j'ai battu le temps, mais formidable. Allez, on change de perso. Test d'aptitude. Oula, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une couronne. Compétition. Ah, c'est une compète, carrément. Ok, mode combo de compétition. Réaliser des figures affichées pour gagner la compétition. Ah, bon, ça va. Un stoppie. Ah, bah du coup, c'est une roue avant. Oh bah oui, du coup c'est une licorne qui chevauche d'une moto. Normal, bah oui, clairement je suis en train de copuler. Ah mais fallait que je sois en airtime, j'ai pas capté. It's Superman. Pourtant je l'avais tout le temps cette figure. Soldier. Bien sûr, en airtime aussi. Je la fais tout le temps. Bah voilà, c'est ça là que je fais à chaque fois. En Willy. Oh oui, classique. C'est bon, easy mon copain. Soldier encore. En spin. Bah oui, évidemment, ceci c'est facile. Le Superman. J'ai que 2 étoiles, c'est de la merde. Oui, c'est bon. Backflip. Easy. Un stoppy. To the break flip. Motherfucker. Ah non, 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 le Soldier. Pour 4 étoiles. Alors je suis un peu déçu de pas avoir fait 5 étoiles, mais en fait ça va. Est-ce que vous aurez fait mieux? Non mais vous jugez pas, est-ce que vous aurez fait mieux? Ouais, je suis en train de boire vos larmes de rageux. Ah bah oui, d'accord, j'étais encore dans la phase tutoriel. Donc comme ça qu'on débloque les figures. Attends, what? Mais attends, comment ça XY? Attends, on doit faire un airtime XY. Ah non mais c'est pas logique.
swimmer. Ah. Ah ouais. Ah, sauf que là il y a un truc que vous avez pas. Vous voulez voir comment je joue? Je joue comme ça. Regardez. Est-ce que je suis censé faire ça quand je joue? Et en plus ça n'a pas marché. Woohoo, oui, ça marche. Ça fait trop mal aux mains. Gros, c'est physiquement pas humain. Faut 6 doigts pour jouer à ce jeu ou? Ah, faut l'enchaîner super vite. J'ai rien dit en fait. J'ai glissé le pouce YX et en fait ça a directement marché. Regardez, je saute. YX. Yeah. Ah bah non, ça marche pas. Mais nique le jeu! Quand tu penses avoir compris, en fait le jeu il marche pas. Ouais, mais en fait, faut peut-être que la moto soit dans le bon sens pour que ça marche. C'est peut-être aussi ça le problème. En fait, je suis peut-être juste un peu gogol. Mais pas comme le moteur de recherche, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, ça a marché. Faut attendre que l'animation se fasse avant de pouvoir enchaîner. J'ai envie de canner! J'ai envie de canner le jeu! Les gars, j'ai un début de tendinite. J'ai la main qui me fait mal. Je crois que c'est ma main qui était de me faire passer un message. Voilà! Ah, c'est super chaud à faire. Yo-ya, mais non, faut que tu fasses en Willy carrément. Oh, finesse. Je savais que ce jeu demandait de la dextérité, mais pas à ce point. Je vous jure, j'ai mal à la main. J'ai l'impression de ne plus contrôler mes doigts. C'est vraiment ce qu'on peut appeler un début de tendinite. Hein. C'est comme ça que ça marche au début. Hein. C'est juste un manque d'ergonomie. Et après, vous avez mal aux mains. Même que plus tard, après, vous pouvez en mourir. Non, peut-être pas à ce point-là. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous aimez me voir sur des petits jeux indés comme celui-ci. Sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!